Changement de décor, nous sommes toujours avec notre invitée spéciale, Charlotte Kalala. C'est magnifique. Oui, en effet, ce parc est vraiment très joli, hein, vraiment magnifique. Superbe. Superbe choix. Et donc, je dois revenir plusieurs fois. Congo à Paris. Congo à Paris. Et alors, pour continuer notre petite conversation avec les téléspectateurs qui veulent toujours en savoir plus, en toute indiscrétion, quel âge a Charlotte Kalala? Charlotte Kalala a 30 ans. 30 ans? Waouh! Et déjà une grande dame. Exactement. 30 ans. Et que fait Charlotte Kalala quand elle n'a pas la casquette de Congo à Paris? On a compris la partie com. Mais dis-nous en plus. Alors, Charlotte Kalala a une association, oui, donc, qui encadre les enfants au Congo. Charlotte Kalala produit des artistes, donc est au studio, tourne des clips, etc. Carrément. Et Charlotte Kalala est à l'église. Oh, waouh! Eh bien, on veut... Est-ce que les gens peuvent suivre ces actualités? Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Donc, ma page perso, c'est Misha Misenga ou Misha Kalala. Et sinon, c'est Busanga Africa et Congo à Paris. Merci, on le notera pour les téléspectateurs, comme ça ils peuvent aller chipoter en curiosité. Et sinon, on a cru entendre que tu étais maman. Exactement, j'ai un petit garçon de 7 ans et demi. Waouh! Et les défis avec l'entrepreneuriat en tant que femme, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à d'autres femmes comme toi, jeunes femmes, qui veulent entreprendre et qui sont mamans? Alors déjà, je suis mère seule, donc c'est encore plus difficile. Mais je pense que c'est une question d'organisation et de motivation. Et je pense qu'un enfant est une motivation sans nom. Exactement. Je dirais que c'est une motivation suffisante. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire comme message? Est-ce que tu as un message d'encouragement pour d'autres femmes qui faillent, qui n'arrivent pas encore à éclore un peu comme toi et à pouvoir toucher un peu de tout, à s'épanouir dans leur métier? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense qu'on a toutes un talent, on a toutes quelque chose donc qu'on est capable de faire. Il faut juste le découvrir. C'est vrai que ça semble un slogan qui est très facile à dire et beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il faut que les femmes se fassent confiance. Il faudrait qu'on se fasse plus confiance et qu'on récupère notre place dans la société. Et qu'on sache qu'on est responsable de cette déviance et de ce qui ne va pas, parce que nous ne sommes pas présentes. Et donc, si on veut un avenir meilleur pour nos enfants, il faut qu'on s'implique. Pour moi, les femmes sont des femmes extraordinaires. Par nature, elles sont spéciales. Et le monde a besoin de voir justement cette spécificité. Donc, mesdames, levons-nous. Levons-nous, c'est le mot de Charlotte Kalala. Mesdames, elle est féministe tout comme moi. Nous sommes toutes féministes, en fait, la nature tout entière est féministe, je crois, et est là pour nous accompagner. Pour cette dernière question, nous avons changé de décor, mais évidemment, je profite de la beauté de ton parc. Tu m'excuseras de te faire marcher. Pas du tout, avec plaisir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour garder contact, pour contacter Congo à Paris? Imaginons, je suis entrepreneur et je voudrais exposer à Congo à Paris. C'est en mai, je suis en retard, mince, ou bien je voudrais venir. Qu'est-ce que je fais pour contacter Charlotte et Congo à Paris? Tout simplement par mail. congonaparis@gmail.com ou contact@congonaparis, tout simplement. Génial. Et est-ce que tu vends des t-shirts Congo à Paris? On vend des t-shirts Congo à Paris qui seront disponibles sur le salon le 18 et le 19 mai. Donc j'en aurai pas un en toute exclusivité? Bien sûr que si, tu en auras un. Le 18, le 19 peut-être. Le 18, le 19. Voilà, mesdames et messieurs, on voulait vous préciser, donc c'est ce 18 et 19 mai, n'est-ce pas? Exactement. Que Congo à Paris vous attend, ainsi que sa présidente et directrice Charlotte Kalala. Paris vous attend, le Congo vous attend, les Congolais vous attendent, la diaspora, venez. Réservez vos places parce qu'il y aura beaucoup de monde et vous risquez de ne pas avoir votre place. Réservez surtout. Et puis d'ici là, portez-vous bien. C'était Charlotte Kalala et Nancy Kawaya pour votre émission Entre-temps. Bye bye.